Raise Les Juice, deux artistes new-yorkais customisent les vêtements de la casquette au basket. Peu importe la couleur ou le motif, le client est roi. Leur leitmotiv, l'exclusivité. Je fournis les casquettes et les t-shirts. Les baskets, tu peux les acheter dans les magasins, tu peux les prendre n'importe où. C'est un de mes meilleurs clients. Ce petit garçon vient pour dépenser de l'argent, alors j'essaie de lui donner des trucs exclusifs. Ça, c'est exclusif, il n'y en a pas d'autres. Je lui ai fait les Teams pour qu'il aille avec. Ouais, des baskets moyennes coûtent environ 75$ pour le travail d'art et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de dollars. Ça dépend de ce que tu veux faire. Les t-shirts coûtent entre 30 et 50$ et les casquettes 30 ou 35. Pour les t-shirts, si quelqu'un veut un nom, je demande 15 à 20$ et je le fais. S'ils veulent un personnage, je dirais 25$ ou plus. Maintenant, de nombreuses grandes boîtes copient ce look. Leurs vêtements sont fabriqués en série, mais ils veulent que ça ressemble à du graffiti. Tu n'as qu'à prendre quelques modèles de Nike, Converse ou Adidas. Ils ont des graffitis imprimés dessus, mais ce n'est pas la même chose. Chaque client est différent. Les touristes aiment surtout New York, mais les autres veulent leur nom ou un surnom. Il y a des DJ. Ils vont dans une boîte et ils dépensent de l'argent. Ils veulent le top des chaussures tendance et pour être différent, ils mettent DJ Jump Off, DJ Styles, bref, leur nom dessus. Ils veulent les avoir customisés. Souvent, ils choisissent une couleur qui va avec une certaine tenue. Peut-être qu'ils voudront un t-shirt airbrush ou un sweat dans les mêmes couleurs. Parfois, ils demandent plus de baskets. Mais les baskets, c'est pas ce qu'on vend le plus. Les casquettes se vendent très bien. Et les t-shirts partent plus rapidement que tout le reste. Les gens veulent des trucs fous sur les t-shirts. Chacun vient pour une chose différente. Et ça, c'est génial. J'essaye d'être au top et de trouver un truc original à chaque fois. Quelqu'un peut venir ici et acheter quelque chose de vraiment exclusif que personne d'autre n'aura, donc c'est une bonne chose. Cette chaussure, par exemple. Ils me l'ont apportée, ils voulaient qu'elle soit... je pense que c'est Ludacris ou quelqu'un dans le genre qui la porte. D'abord, elle est blanche. Ils voulaient juste du bleu, alors je l'ai rendue bleue. Cette chaussure est très dure, elle est difficile à préparer. Ils l'ont prise, elle leur a plu, mais ensuite, ils me l'ont rapportée. 3 jours plus tard, ils voulaient aussi du rouge. Et c'est devenu un travail encore plus difficile. Si tes couleurs sont le blanc et le rouge, tu peux avoir du blanc et du rouge. Si c'est le bordeaux, tu peux mettre un maillot de football américain qui sont de nouveau à la mode. Si tu as des couleurs spécifiques comme celle des Lakers, tu voudras du pourpre et du doré. Tu peux tout customiser et le rendre pourpre et doré. Comme ça, tu auras des chaussures uniques. Exclusive. Il n'y en a pas d'autres. Tout autour des Teams, regarde les différents côtés des Teams. Voici le côté avant. Il y a Tweety, Marvin, Mansion, Daffy Duck, Bugs Bunny juste ici. Là, il y a quelques personnages. C'est exclusif. Pour l'instant, il y en a 4 de celles-ci. Sur les baskets et les Teams, j'utilise de l'airbrush et des stabilo roses. Ensuite, je couvre le tout d'un gloss pour que ça tienne. Comme ça, si tu sors dans la pluie, ça va pas s'abîmer. Sur les casquettes, j'utilise également l'airbrush et le stabilo. Je rajoute des pierres brillantes, tout ce qui est joli, tu vois ce que je veux dire? Comme je disais, quand le client vient nous voir et qu'il est content, je suis content.